Alors cette vidéo c'est pour vous montrer comment avoir l'icône avec le partenariat Riot X Arcane. C'est pour avoir l'icône plus la ward. Donc on parle de quoi? On parle de cette icône ici. Et la ward on parle de... On parle de cette ward là. Donc comment faire? Vous allez taper sur internet Riot X Arcane, le premier lien. Là vous allez cliquer sur Explore Now. Donc évidemment connectez-vous en haut à droite. J'ai oublié de vous dire, connectez votre compte en haut à droite. Vous pouvez le faire sur plein de comptes. Et d'ailleurs si vous comptez faire un smurf, c'est le moment parce que vous allez gagner masse trucs. Et vous aurez en plus parce qu'en fait vous n'avez pas que la ward et l'icône, vous avez aussi une capsule qui va vous donner des champions et des skins de champions. Donc faut faire ça maintenant. Donc là le son va être un peu fort. Moi j'ai une table de mixage, normalement ça va être fine. Donc là c'est juste l'introduction. Tranquille. Parlez avec le fishmonger. Donc là on va juste taper plein de fois. Donc évidemment c'est une histoire. Si vous avez beaucoup aimé Arcane et que vous voulez un petit peu avoir plus de détails, je crois que ça peut vous donner des petites histoires en plus. C'est vraiment très secondaire, mais voilà. Donc là on va tout le temps taper, on va tout le temps cliquer sur le premier proposition de dialogue, on s'en fout. Si le son est trop fort en bas à gauche, vous pouvez l'enlever. Moi je le garde, le son est pas trop fort normalement avec ma table de mixage, normalement j'ai réussi à enlever moi. Ça prend, ça prend 5 minutes à avoir les deux, je pense. D'ailleurs, moi, attends, je vais juste me déconnecter. Je vais aller sur l'autre compte pour vous montrer que ça marche vraiment bien. Donc là, on continue. On fait toujours les premiers trucs. Prenez le temps, évidemment, si vous avez envie de savoir ce qui se passe. Ni vu, ni oko, nu, hop. Mot de passe tac. Ok. Donc on va commencer par l'icône. On va commencer par l'icône. On va aller bon on a une quête. On va faire le Emerdinger. Comme ça ce sera fait en vrai. On parle à Emerdinger quand on est là. C'est pas le début de l'icône, mais ce sera pour la ward ça en fait. C'est vu qu'on y est pour... Pourquoi se faire chier en fait. 5 minutes, trop long. Ah, ça prend un petit 5 minutes, je pense. On verra après, mais je pense que oui. Donc là, on clique, on clique, on clique, on passe. Si vous êtes perdu, en haut à droite, il y, y a les informations. Donc là, on a fait le début de la quête pour la ward, mais on verra ça plus tard. Donc, on va aller au Summoner's Park. Ça, ce sera pour la quête de l'icône. On va garder la ward pour après. Donc là, on arrive avec Gwen, qui va nous donner une quête. On clique, on clique, on clique, on clique. Tout va se passer au même endroit ici. C'est pour ça, c'est la quête est plus simple. Donc là, c'est juste pour créer son avatar. Tu t'en fous. Tu reviens sur la page. Tu reviens sur la page là. Tu peux enlever carrément le truc. Hein, tu t'en fous. Mais tu peux faire tes avatars aussi si t'as envie. Ok, c'est parti. Donc là, il nous dit de parler à Jin. Donc tu peux maintenir ton clic gauche pour... pour comment faire défiler le paysage, ou t'as la molette aussi qui fonctionne, et Jin est tout à droite. Donc là on parle à Jin. On met des trucs. On fait juste cliquer, à chaque fois tu prends le premier truc, tu t'en fous. Tu peux... tape sur play mais tu t'en fous, on va pas... c'est juste pour jouer au jeu en fait, tu t'en fous. Tu reparles à Jin. Tu lui fais que oui j'ai fait. Tu prends le premier truc. Est-ce que j'ai perdu des gens? Dans le chat, est-ce que j'ai perdu des gens? J'ai eu des skins ultimate. T'as eu deux skins ultimate avec ça? What the fuck, t'as eu trop de chance toi. Donc là on a parlé à Jin. Et là Jin nous dit d'aller voir le vendeur du magasin. Donc là on va parler au vendeur de magasin. Tu cliques sur le premier truc. Vous inquiétez pas, si vous êtes perdu, de toute façon, vous pouvez revoir la VOD ou vous pouvez tout simplement voir la vidéo sur YouTube qui sera disponible. Mais ouais, je vais sortir la vidéo parce que moi, je n'ai pas vu cette vidéo, je l'ai vue juste en espagnol et c'était juste pour la ward en fait. Et c'était pas très bien fait quoi. Donc,
Là il nous a donné une épée, on va aller donner. Ah oui désolé j'ai pas j'avais pas... Du coup j'ai un très, très faible son pour les subs. Merci beaucoup Retro Boy LOL pour le sub, bienvenue à toi, merci pour le Twitch Prime. Donc là on va donner l'épée à Gwen. Voilà, là on doit aller reparler au vendeur. Tout est en haut à droite à chaque fois, il te dit où, quoi faire. Et là il va nous donner le t-shirt pour 7. Donc on défile un peu sur la droite. On donne à 7. Là on revient au vendeur. On clique sur le vendeur. C'est bientôt fini. Pour l'icône c'est bientôt fini là. Là on a la baguette pour Jean. On donne la baguette à Jean. Moi je mets le point d'interrogation, le point d'exclamation, mais je crois que tous les autres fonctionnent en vrai. Je suis pas sûr, mais moi je mets le point d'exclamation. Avec les trois petits points. Là, on reparle au vendeur et c'est fini. Me semble que c'est fini ici. Il y aura un message en gros, normalement, qui te dira que c'est fini. Je vais juste me connecter, moi, du coup, à mon compte, pour vous montrer. Voilà, fini. Et je crois que cette quête-là te donne une capsule qui est vraiment insane, plus une icône. Donc là, voilà, on a eu les récompenses. Je vais vous montrer ça, du coup. Hop. Et là, on a eu la capsule. Et c'est pas n'importe quelle capsule, hein. Regardez ce qu'il y a dedans. On a eu... Attends, juste augmenter le son. Je vais réduire ça. Un skin de Zoé. Un skin de Shaco. Un skin de Karma. Alors... Alors la gemstone, je suis... pas 100% sûr que vous allez avoir ça. Attention. Pas dégueu. Et du coup tu peux plus reroll. Si les 3 skins tu t'en fous, tu peux reroll, ça peut te faire un truc cool, ok. Et du coup là on a l'icône ici. Voilà. C'est incroyable. Maintenant passons à la ward les gens. C'est parti. Je remets le son là. On revient du coup à Emerdinger si vous lui avez pas parlé, mais on l'avait fait au début. Donc, si vous n'avez pas commencé, parlez à Emerdinger. Ensuite, n'allez pas à Art District. C'est, faut aller ici, en fait. The Lanes. Donc là, tu pars sur la droite et on va aller voir Silco, en fait. Silco est tout sur la droite. En descendant les marches, il y sera. Il est ici. On lui parle. On met le premier truc. On remet le premier truc. Alors, vous pouvez avoir le truc en français, hein, si vous mettez FRFR là-bas en passant. J'avoue que moi, c'est en anglais, c'est par défaut parce que je suis au Canada. Et voilà! Je crois que c'est déjà fini, hein. Pas du tout, il faut revoir Emerdinger. Mais je pense que tu parles à Emerdinger, je crois que c'est fini en vrai. Je crois que c'est vraiment très très rapide. Dommage, je viens d'arriver, j'ai tout raté. T'inquiète, t'inquiète, la vidéo sera... sera disponible. Et t'as la VOD au pire, hein. Donc là on fait juste cliquer, hein. C'est vraiment juste... on clique comme des fous furieux. Ah oui mais pas du tout. J'ai complètement oublié, oui, il y a ça à faire. Donc là tu cliques sur la carte en haut à gauche. Et tu vas au Summoner's Park. J'avais complètement oublié qu'il y avait ça. Donc là on doit chercher une genre d'évidence, de preuve. Donc tu défiles. En fait tu vas au milieu. Là où il y a la statue, et en fait là il y a un petit truc, ah, vous le voyez pas avec ma caméra, là, vous cliquez dessus, vous le prenez, et voilà c'est bon. Vous avez le skin de Ward, qui devrait apparaître. Attends, je pense que j'ai juste besoin de faire ça, voilà c'est bon. Et là vous avez la Ward, GG à tous, bravo, vous êtes incroyables. Et par contre vous n'avez pas de capsule ici par contre. Ok. Bon, moi je peux me casser de ce compte. Voir l'icône et la skin de Ward. Donc bonne chance à tous, à fun et des bisous. Ciao ciao.